Et il a fini le dernier mètre couvert, il m'a dit, j'aurais plus de deux trucs, mais voir le business quoi. Parce qu'en général les trucs classiques quoi, t'as pas cette hauteur là, t'as pas la bonne hauteur du CD. C'est les trucs de DJ en fait. Ah ouais. Ils vont dans les terrains. T'as chopé. Bonjour monsieur. Ça roule. Ah bah pour l'instant tu vois c'est cool quoi. On met de la couleur et tout. Là tu vois t'as le stand FZM, ramoneur de menhir tu vois. Et puis t'as là c'est crash disc, tu vois. Donc c'est de la distro. Et il y a de tout en plus. Il y a même de l'occasion et tout. Comment ? Y a du bon ou quoi ? Ah bah il y a du bon selon les goûts de chacun quoi tu vois. Tu recommandes quoi ? C'est quoi ton truc ? Moi je suis là pour Ramoneur donc je vais recommander Ramoneur tu vois. Après il y a plein d'autres trucs tu vois. T'as celui qui aime le punk, il va trouver du punk à 100% quoi tu vois. Celui qui veut du rap ou de l'électro, il va en trouver aussi à côté. Là il y a tous les styles. Donc, c'est ça qui est bien. Vous êtes open. Voilà. C'est le stand éclectique. Voilà, on n'a pas d'œil borgne, tu vois. C'est ça l'important. C'est sympa. Faut que l'idée reste là-dedans, tu vois. Merci. De rien. Ah non. Et toi tu tiens le stand. Non, moi je veux pas. Ouais non mais je veux pas. Tu tiens le stand là et tu bois des bières ici. Il est où ton stand, c'est lui ? Oui, c'est celui-là. Pourquoi t'es là ? Oui mais j'aime pas. Il est où ton stand ? Tu vends quoi toi ? Je vends des fringues. Je fais un petit peu comme ça. Je fais un petit panneau comme ça. Devine où je vais. Non. Est-ce que tu sais où je vais ? Sur le tatouage. Ouais voilà, enfin j'ai senti le truc venir, vu qu'il nous tente prévenir pour mettre les choses. La télé. Ah merde. Alors pas la télé quand même. C'est merci, beauté, là, c'est qui? C'est toi qui dessiné là? Moi et la miss surtout. Toi t'es dessinateur? Alors comme ça vous dessinez. Ah, ouais, dessinateur, ouais, si on veut. Je fais des gribouilles sur du papier, il se trouve que des fois ça plaît aux gens. Mais pas vraiment dessinateur. Ce monsieur a un blog, je me permets de faire de la pub, ce monsieur a un blog, ça s'appelle Slotello, slothe.blogspot.com. C'est un magnifique blog. Ah, pas mal. Un super que je ne sais pas, je n'irai pas jusque là. Hein. Mais c'est graphique, hein, c'est intéressant. C'est elle qui fait ça. C'est pas ah le coin, non, hein. Bah ça c'est... Eh, hey, tu connais Adolf Hitler? Et tu l'as vu mon cul au bout de la rue? Eh ben, regarde. Tu vois la rue Mes Couilles, et bah tu tournes à droite et hop, t'es arrivé. Tu peux arriver à des prisons hier, c'est bon. Mais moi non plus. C'est ça le pire. Ça prend forme, hein. Ça commence. Toi, c'est ta passion ou c'est ton métier ? Moi, c'est la première fois en fait, c'est vraiment pas mon métier, c'est par plaisir. C'est ta première peinture de ta ouais, vie ? Ouais, tout à fait. C'est génial. Mais qu'est-ce que tu fais avec Lazare d'ailleurs, toi ? J'en sais rien, je suis là par hasard, j'ai des copains là. Qui c'est qui t'a emmené là ? Mais vous êtes là pourquoi en fait ? En fait, j'ai un copain qui est dans le collectif ici, qui a l'habitude de fresquer. Il m'a dit, bah viens tenter le coup une fois, et bah voilà, je suis là. Bah ça fait plaisir, merci. Bah pareillement. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et c'est un petit peu toi, cette fille-là ? Ouais, en fait, c'est comme c'est ma première, je me suis dit, je vais faire ma gueule. Sympa. T'as pas tout à fait les mêmes dents, mais... Non, heureusement. Mais les yeux, il y a quelque chose. Ouais, c'est vrai. Peut-être les lunettes. Merci. C'est l'ambiance BD noir et blanc. Attends, pour l'instant, ouais. Après, on va mettre les couleurs. Ça se passe bien ? Ouais, après, on va mettre les couleurs et tout. Ah, ouais, là, après, ouais, c'est ouais. Les couleurs. On peut commencer par les couleurs ou par le contour, comme on veut. Déjà, c'est trippant, déjà. Moi, j'aime bien. Je fais un petit point comme ça. Il y a une grosse loupiote, là. C'est important, les zombies. Pourquoi t'as écrit dedans là ? Tu te permets quoi là ? Mais on met du blanc avant. C'est ta bulle. Il est pas organisé, c'est oh pour ça. Là, il est pas, c'est lui qui est pas organisé. Mais il faut un petit peu d'expérience et ça ira. C'est peut-être son. C'est ma première bulle. Soyez pas méchant. Ouais, je suis méchant. Ouais. Non, mais je suis méchant. C'est vrai, non. C'est sa première fois. Il y a pas d'embrouille là, merde. Je comprends pas ce qui se passe. Non, mais bon.
non, ici c'est plus chaud aussi quoi. Si le coin est un peu chaud. C'est chaud ici. Quoi. Ici c'est tendu quoi. C'est les professionnels. Il y a du feu dans le coin. Non, non, pour la première, sympa, ouais. Ça reste du concert. Bon, maintenant, je te suis, c'est trop tard. Ça, c'est très grave. Parce que j'en avais marre, les mecs. Mais toi, qu'est-ce que tu fous, tu peins? Moi, je peins, oui. Mais nous, on est avec... moi, je fais partie du collectif Humungus. Ce soir, on est deux collectifs de fresqueurs à travailler. Donc, le gang des fresquilleurs à gauche et le collectif Humungus à droite. Moi, je fais partie du collectif Humungus. Et ça se passe bien? Nickel. Vous êtes content? La Caro, c'est celle qui t'a envoyé le petit perso, mon élève. Le petit perso de toi. Caro, c'est copine un peu. Tu sais, sur ton blog, t'as des photos sur ton blog et elle te l'a envoyé, un petit chat en statue. En statue, dans ton petit peu. C'est un âme de doute. Bonjour, madame, ça va? Bonjour, et toi? Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venue vendre des trucs. Vous êtes venue vendre des trucs, ouais. La bonne idée. Et vous, je sais pas, vous faites un prix? Je fais un prix déjà. Vous êtes accompagné, ça fait plaisir. Bonjour. Oh, salut. Ça va? Trop tard. Bah ouais. C'est tout désordre. Ah, on m'a dit qu'ici, qui m'a dérangé mon stand? C'est un stand de professionnel ici. Moi. C'est un stand de maniaque. C'est un stand de gens qui ont des tocs. Putain. C'est pas ton marque, là. C'est pas bien aligné. C'est pas. Tu tournerais bien dans un film, tu serais bien, toi, t'as pas fait de cinéma encore. Alors, si, j'ai tourné avec... Sympa, et les fresques, c'est pas de toi, hein? Oui, non. C'est ça qui est dommage. C'est pas moi qui l'ai fait. Tu vois, tu si, fais j'ai quoi, fait en fait un petit bout... Ben, moi, j'ai fait ce petit perso, là, j'ai décliné... C'est toi qui l'as fait? C'est moi qui l'ai fait. C'est pas vrai, mais je le vois partout, dans Paris. Mais tout le monde me dit ça, ouais. Mais j'aimerais bien que vous achetiez un peu, d'accord? C'est gentil de voir les choses, mais il faut les acheter aussi, hein. Bah, okay. Deux secondes, faut d'abord les voir avant. C'est toi qui as fait, bah bravo, moi j'aime bien. Mais... Puis il y en a partout, hein. ça se développe bien. Bah ouais, c'est ce que tout le monde me dit. Et il s'appelle comment? Taga. Et c'est quoi son but dans la vie? Taga? Boire des bières et écouter du punk rock, garage, tout ça, et... Et des fois elle est contente, des fois non quoi. Voilà. Comme toi, elle a des humeurs quoi. Voilà, exactement. C'est mon mini moi. Elle a un côté maniaco quelque chose. Ouais, tout à fait. Cyclothymique en tout cas, et maniaco-dépressif, faut voir. Celle-là elle... La question est à élucider. Elle te ressemble bien celle-là là. Ça c'est des magnettes pour coller éventuellement sur ta caméra, sur ton frigo. Celle-là elle te ressemble bien aussi. Ouais, ça c'est la bad tailleur. Parce que t'as une belle mini-jupe, il faut qu'on la voit. C'est pour ça, c'est pas pour moi, c'est pour les gens qui vont voir. T'as pas pris ma culotte tête de mort, putain. Vas-y, y'a que moi. Alors, avec des paillettes en plus. Bah tiens. Tous les inconnus. C'est génial. Je fais un petit tour. Moi je travaille pour les uns, c'est pas pour la télé. Thank you.